Kylian Mbappé a donné le ton le week-end dernier en demandant justice pour George Floyd, tout comme les champions olympiques Tony Yoka ou Teddy Riner. Marcus Thuram, fils de Lilian, a lui mis genou à terre lors d'un match de football. Dans la foulée, Kylian Mbappé se mobilise aussi pour un adolescent, originaire comme lui de Bondy, en banlieue parisienne. Gabriel, 14 ans, est grièvement blessé par des policiers fin mai lors d'une interpellation à la suite d'une tentative de vol. Sollicité sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé décide de lui apporter son soutien, un geste qui a touché Gabriel et sa famille. Il m'a dit « T'es sérieux ? Il y a Mbappé qui a commenté sur ma photo ?» Je dis « Ouais, il a commenté et à mon avis, il va pas tarder à venir te voir et tout. » Il était tout content et franchement, je dis un grand merci à Mbappé. Aux États-Unis, l'engagement des athlètes est encore plus visible. Les stars de la NBA comme LeBron James ou Stephen Curry relaient les slogans des manifestants au sujet de George Floyd. D'autres vont même jusqu'à défiler comme Enes Kanter des Boston Celtics. Dans tous les sports, les athlètes prennent la parole, y compris les plus jeunes. La prodige du tennis Cori Gauff est déjà très engagée, à seulement 16 ans. Il faut agir. Nous sommes venus manifester, mais moi, je n'ai pas encore le droit de vote. Alors je compte sur vous pour mon avenir, pour l'avenir de mon frère et pour votre avenir. Votez, c'est une des solutions. Des stars engagées politiquement comme Mohamed Ali font partie de l'histoire du sport américain. Tout comme Tommy Smith et John Carlos sur le podium des Jeux Olympiques de Mexico. Plus récemment, Colin Kaepernick secoue l'Amérique en mettant un genou à terre pendant l'hymne national. En France, les sportifs lèvent plus rarement le poing. Exemple en 2017, quand des personnalités réclament justice à la une des journaux après la mort d'Adama Traoré, décédé au cours d'une interpellation. Au milieu de dizaines d'acteurs, de musiciens, on retrouve bien Yannick Noah, mais aucune star du sport en activité. Rien de surprenant pour ceux qui étudient les liens entre sport et politique. Pour le niveau politique, très particulier, puisqu'en France, la société française et les débats politiques, on a vu très régulièrement, étaient sur l'intégration, sur l'assimilation, sur l'exemplarité, on a vu l'équipe de France de 2018, on a demandé à tous d'être tricolores, point. Mais les plus jeunes semblent s'affranchir de ces tabous. Mardi, lors d'une manifestation pour Adama Traoré, on pouvait croiser le joueur du PSG, Levin Kurzawa. Un rassemblement d'ailleurs soutenu par des dizaines d'athlètes français sur les réseaux sociaux. Parmi les manifestants, Marie-Zévan Gépé, figure de l'athlétisme français dans les années 80, elle estime que ces mobilisations marquent un tournant. Les réseaux sociaux en plus ont cristallisé une véritable colère qui gronde depuis un moment mais qui n'était pas forcément perceptible. Les jeunes sont extrêmement branchés réseaux, donc tout d'un coup ils découvrent les combats américains et ils se les approprient parce qu'ils voient des similitudes avec leur propre situation. Donc effectivement, je pense qu'il y a un véritable... C'est même pas un réveil d'ailleurs, en ce qui concerne les jeunes, c'est un éveil tout court, un éveil à l'histoire du monde en général, à l'histoire des Noirs, à l'histoire de l'immigration. Ce mouvement pour George Floyd ou Adama Traoré amorce-t-il un changement profond chez les sportifs français? Ou bien s'agit-il d'un effet de mode amplifié par les réseaux sociaux? La réponse appartient à la prochaine génération de champions, celle de Paris 2024.